cette victoire, c'est d'abord celle de l'unité et du rassemblement des socialistes, de la gauche et des écologistes. Et je voudrais remercier chacun de ceux qui ont permis cela. Je crois aussi que des humanistes, des démocrates, des républicains ont souhaité se joindre à nous parce qu'ils ont compris que les valeurs de la France étaient parfois mises en cause ces derniers temps. Je voudrais avoir une pensée particulière pour Ségolène Royal. Ce qu'elle vit ce soir est douloureux. Elle a été battue par un candidat qui est élu grâce aux voix de la droite et de l'extrême droite. Ségolène Royal, c'est une voix qui compte. Elle continuera à agir dans sa région et au niveau national. Et je voulais simplement lui adresser un grand message de sympathie.